Taquino, la planète et ses meilleurs bouts. Ce soir, quelques-uns des meilleurs bouts de Taquino, la planète. Non, j'ai craché sur vous. Mais de toute façon, t'as pas besoin de porter du linge pour être coquet. Un idole qui est en train de me blaster, moi. Petit père, mouroc. Elle m'a tout te dit quoi faire, OK, attention? Where's come back on the horn, the horse? Swing and swing and Taquino, la planète et ses meilleurs. Eh bien, bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette seconde tranche du sandwich de nos meilleurs moments. Et ajoutons tout de suite à ce sandwich un beau morceau de poulet bien dodu avec l'agent Boswell, alias Jacques Chevalier Longueuil. Longueuil, ça va bien? Ben oui. Dis-moi, il paraît que ça marche très, très bien, ta nouvelle série policière, le rapport de police. Ça marche tellement bien que c'est rendu qu'on peut même plus se promener sur la rue sans que les ethnies nous supplient pour qu'on les batraque. Mais quand tu joues le rôle d'un policier, là, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Le plus difficile, c'est de mettre la pine de police. Ça fait 5 fois que je me pique la bédaine. Je t'expliquerai ça durant la pause. On regarde tout de suite cet épisode de rapport de police. Rapport de police. Avec Jacques Chevalier Longueuil dans le rôle de l'agent Boswell. Et Bob Minette dans le rôle de l'agent E.C. Dis, Ferretti, tu peux bien, gros. Ah oui, j'en profite avant le carême. Il reste bien chaud, ça. Oui, mais c'est nouveau, c'est un café chaud. C'est à cause des bactéries, ils font bouillir l'eau à cette heure. Le crâne, ça fait! Elle sait! Rire pour moi! Elle sait! Vite, quelqu'un d'ambulance! Policier gravement blessé lors d'un hold-up. Ah, pas dormi de la nuit. Est-ce que l'agent LC a des chances de s'en sortir? Tavernouche, des chances, disons que je gagerais pas ma calotte, là. Mais on a de l'espoir. Est-ce qu'on a fait brûler des lampions hier? Hey, je le sais, là! Arrête de niaiser, reviens-nous, là! C'est plus pareil aux danseurs! Tu la gardes à Béquet Bobo? Hein? Mais c'est Béquet Bobo! La gardes à Béquet Bobo! De l'hôpital la semaine passée, toi? Ouais, mais j'ai décidé de rester une semaine de plus. T'as quoi être un petit peu magané, tu sais, pis j'ai un niveau 2 vidéo! Tiens! Va te montrer comment toi, il m'a tout te guidé, tiens. OK. Tu vas voir, t'es super capoté. Tu perds, mohawk! Ah! Elle m'a tout te dit quoi faire, OK, attention? Bon, OK. Là, tu vois des ponts, là. Abattu le pont. Okay. Saute, ça va te bloquer. C'est beau, ça. OK, là, la maison d'Oka. Faut que tu rentres dans la maison d'Oka. Hey, c'est le fun! Ben oui, mais concentre-toi, là. OK? Là, saute à la TV, saute à la lampe. Pourquoi? Ben, faut que tu écartes, ça, ouais. OK. Bon, ça donne des points, ça. Bon, OK, là, on revenait à la même place que tout à l'heure. Là, OK, t'as un chèque de BS, pogne le chèque de BS. OK. Je l'ai! Bon. Hey, y'en a un autre! Je l'ai! Parfait! Hey, y'en a plein d'autres! Pogne-les toutes! Hey, c'est bien facile, ce bout-là. Ah, t'es bien niaisé à avoir des chèques de BS. Bon, OK, saute des airs, là. Y'a rien des airs. Saute, t'es dit! Bon! Quand tu veux, là, t'as un gun, là. Tiens n'importe où, ça donne des points.
OK, arrête de tirer, là, parce qu'il y a un caporal, il faut pas tirer. OK, je touche à rien. Rien? Tu dis de pas tirer! J'ai pas touché à rien, comment ça se fait qu'il est tombé? On le saura jamais, ça. OK, dans ça, il y a une facture d'Hydro-Québec, crache dessus! C'est bon, c'était bon! OK, c'était Taxman, le type de dents. Mais il y a un guitarmé, puis il me tire dessus! C'est pas grave, c'est Taxman, c'est juste qu'à quitter ses visages pâles que ça marche. OK, pas des cigarettes, pas des cigarettes! Parfait! OK, non, arrête! OK, ben, petit piton! C'est parfait, ça! Ça, quand tu ris de la police de même temps en temps, là, c'est idéal, ça donne bien des points. Hey, il y a un Indien qui est en train de faire de la pêche. Comment tu fais qu'il fait pas de contrebande, lui? Ouais, t'es pas tous des voleurs, quand même. OK, attention, là. OK, l'hélicoptère, touche à rien, touche à rien. Je t'ai dit de pas le tirer! J'ai pas touché à rien, comment ça se fait qu'elle est tombée? Encore une autre affaire que non, on saura jamais, ça. Papa, tiens, le premier ministre. Ça, c'est à cause de l'hélicoptère, ça. Ah, j'ai fermé les yeux, parfait, on peut passer. Hey! T'étais fini! T'étais devenu millionnaire! Hey, c'est facile, j'ai là! Ouais, ben, attends, t'as un super visage pâle, t'es pas mal plus top, c'est pas faisable. Ah ouais, on sort d'ici. Hey, il y en a un autre aussi, t'es super Trudeau. Super Trudeau, il fesse tout le monde de même, je pense. C'était pas plus comme ça? Non, c'était plus de même, il fesse tout le monde. T'es sûr que c'était pas plus de même? Ben, c'est la même affaire que ça. Aussi notre infographiste Déby Bélanger ainsi qu'à François Pérusse. Eh bien, compte en commun Guy Lafleur, Mario Tremblay, Guy Lapointe, Régent Hall, Henri Richard. Ils patinent tous sur la bottine. Ils ont un jour ou l'autre une aventure avec Lorena Bobbitt. Non, vous n'y êtes pas du tout. Ils ont tous été appelés par Gilles Robidoux pour participer à son sondage sur les anciens joueurs du Canadien de Montréal. On regarde ça tout de suite. Quand on veut faire un sondage sur des anciens joueurs de hockey, ça prend des anciens joueurs de hockey. Où c'est qu'on les trouve? Ben, d'une place où il y a de la bière. Bonjour, mon garçon, comment ça va? Le chino, la plateau. Toujours des cravates aussi laides. Tu trouves? Ben oui, on lâche pas. Ben, ça vaut du bon compte. Ben, touche-moi pas, j'ai rien fait. Dans le assez de violence dans l'hockey, dans le civil, faudrait qu'on apprenne de se respecter. Vous êtes un ancien joueur glorieux? Oui, un ancien. Un ancien, ouais, vous seriez encore capable de faire la barbe avec des jeunes. Ah, je pense pas. Avec un bon rasoir, puis avec ma barbe, il y a un chien, pas de problème. Penses-tu que la gardienne de but, Manon Réaume, là, a pu faire carrière dans ton temps? Ah, sûrement. Elle se parlerait, elle avait juste 2 ans quand tu jouais. Vas-y, il réfléchit pas avant de répondre, lui. Selon toi, là, c'est quoi qui est le plus excitant? Gagner la Coupe Stanley, faire l'amour ou faire l'amour avec la Coupe Stanley? Ben, gagner une Coupe Stanley, je pense. Ah, ben, je pense que sexuellement, la vie. Pas... Ah, elle fait l'amour après? Avec les joueurs ou avec... Non. Ah, avec ce qu'on raconte sur le chemin. OK, donc, à quel moment, là? Non, avec... OK, genre, on va laisser faire ça. C'était pas une bonne question. Okay, je m'excuse, je suis en train d'insulter une idole d'un peuple ici. Faire l'amour avec la Coupe Stanley. Ah, boy, moi, c'est plus son jeune, plus son TV dans leur fantasme. On continue. Mais tu sais pas, cette fois, ça glace demain, non, ça te gèle une bisoune, c'est pas long. Une réponse inintéressante. Ben, je trouve que ta question avait plus pète la réponse. Ah, écoute, on n'est pas là pour discuter de la qualité de mes questions. Moi, j'ai-tu déjà critiqué ton jeu? J'ai-tu déjà critiqué la façon dont t'allumes tes lignes ouvertes? Bon, ben, à chacun nos terrains, puis les moutons seront... confondus! Non, bien entendu, maudit, qui est insignifiant, lui. À votre époque, là, les joueurs ne touchaient pas à la drogue. C'était-tu, pour donner le bon exemple, c'est-tu par peur des suspensions ou bien parce que vous étiez trop sous quand le jouet arrivait? Probablement parce qu'il y avait pas assez d'argent dans ce temps-là. OK. Bon, ben, pauvre Guy, si tu veux un 2 n'importe quand, appelle-moi. Si tu as besoin d'un ticket de métro pour t'entourner chez vous, il n'y a pas de problème. Ben, t'es trop niaisé pour connaître ça. On connaissait pas ça, la drogue. Bon, au moins, il gagnait. C'était pas là. Ça n'existait pas. La drogue a été inventée en 1980 par un dénommé Dan Bigras. OK, donc, vous, pourquoi on vous appelait Pointu? Ben, je pense qu'il t'a juste regardé, tu vas t'en rendre compte. C'est-tu parce que t'as une espèce de conehead ou... Ça pourrait peut-être, là, ça... tu sais. Je pense qu'on a quelque chose en commun. Ah, on a chacun de moments. Bravo, mon Guy. C'est quoi qui t'a supporté le plus dans ta carrière, là? C'est-tu ta femme? C'est-tu ton agent ou c'est ton jackstrap? Mon jackstrap. Pourtant, à ce qu'on dit, t'avais pas grand-chose à protéger. Voyez-vous, là, que le fait d'avoir joué sans casque a pu affecter vos facultés mentales? Un petit peu, oui. Un petit peu?
par moi. En faisant des interviews, comme ça, je pense que ça affecte un peu. Ok, je pense qu'il est en train de me blaster, là. Un idole qui est en train de me blaster, moi qui a tout fait pour le monde du sondage au Québec. Guy, je suis bien déçu. On va te parler du droit de veto, moi, si t'arrêtes pas, ça me fait rien. De toute façon. Ok, donc, ben merci, mon garçon. Ça fait plaisir. Franchement, la prochaine fois, pratique-toi un peu. Je vais t'envoyer une question, tu vas pouvoir trouver des réponses comme jamais. Bye bye. Hey, il m'a violenté. Si j'ai un avocat dans la salle, venez donc me défendre, s'il vous plaît. Hey! Le maître du sondage, Gilles Ravenoux, reste avec nous après la pause. Bob Binet taquine le groupe YouTube. We'll be right back. L'une à Las Vegas, mais un HLM à Montréal. Après avoir vu un film d'horreur, bien des gens font des cauchemars. Mais Raymond Baudouin, lui, ce ne sont pas Frankenstein, Freddy ou Jean-Luc Mongrain qui viennent hanter chez lui. Pire encore, c'est la malédiction du vieux Pet que Raymond Baudouin a rencontré à la première de son film Les Mémoires de Trudeau. Des images dignes de CNN. Ce soir-là, c'était une soirée consacrée à M. Trudeau, là. Le genre de soirée où tout le monde a du fun, là. On s'amuse. Écoutez l'ambiance quand M. Trudeau est rentré dans la salle, pleine à craquer. Fait que je me suis joint au party. Yeah! Ici, dans Raymond Baudouin, compagnie de M. Trudeau. Ça va bien, M. Trudeau? Je veux savoir, c'est quoi le titre de votre film? C'est qu'est-ce que c'est le titre de votre film? Hey, Roger! Oh, c'est Roger. Comment ça va, Roger? Oui, c'est moi. C'est quoi le titre de votre film, M. Trudeau? Il n'y a pas de titre. Ah, il n'y a pas de titre? Ah, c'est pas Chérie, j'ai craché sur les Québécois? Non, j'ai craché sur vous. Pas encore. Et je veux savoir, c'est-tu un peu le même principe que le film Le Parc Jurassique, là? C'est-à-dire qu'on déterre des vieux monstres pour faire peur au monde? Pour faire peur au monde? Oui. Vous êtes bien peureux. Mais non, mais pas peureux, je suis à côté de vous, pas de problème. T'es une merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merde, ben c'est ça. Mes conclusions. Merci beaucoup, M. Trudeau, à la prochaine. Bon film, tout le monde, là. Il avait pas l'air content de la façon qu'il avait réagi à mes questions. Mais je me suis tout demandé à qu'est-ce qu'il pouvait bien penser quand je suis parti. Pour moi, il devait espérer pouvoir se reprendre. Ici, la Raymond Boudin en compagnie de M. Trudeau, juste pour une dernière fois. Oh, oh, oh! M. Trudeau, vous avez déjà traité Robert Bourassa de mangeur de hot-dog. Je voudrais savoir, vous, à cause de vos initiales... Oh! Vous, avec vos initiales, là, le mot « pète », ça veut-tu dire... Oh! Hé, hé! C'est le retour du grand. Ouais, ben... Alors, je crois. J'avais envie d'y dire au revoir avec une petite devinette. Monsieur Trudeau, j'ai une petite devinette pour vous, là. C'est pète puis répète sur votre bateau. Pète ton ballot. Qui c'est qui a le goût de le sauver? De retour en studio. Ouais! Eh bien, merci à l'équipe de Raymond Baudouin pour sa ténacité et à Pierre et le Trudeau pour toute la publicité. Il est tellement fâché qu'il a presque pété sa chaîne. Bob Binette! Bonsoir, Bob. T'as rappelé tes coeurants, là, le petit gang, il avait copié mon vidéo, Bob, là, moi, t'étais, moi, l'unité, mon ouais, vidéo. Ouais, ouais, je m'en souviens, puis. Il a envoyé deux lettres d'avocat, tes coeurants. Ah oui, à quoi il ressemblait? Même pas rentré en gros. À quoi il ressemblait, tes deux lettres d'avocat? Ben, c'est dur, parce qu'il y a plusieurs lettres dans le mot avocat, j'ai envoyé le A puis le V. Puis, tu sais, je grouille pas, il va te voir le haut derrière la tête. Oh, à surveiller. Ben, en attendant, on va regarder ton fameux clip, Bob, qui a été plagié par le groupe YouTube. La police m'a donné une étiquette de vitesse pis j'ai même pas dit merci. Au coin de la rue, j'ai tourné à droite pis j'ai flashé à gauche. J'ai fait venir cette disque compacte de Columbia pis j'ai pas payé. Quand je vais dans les toilettes des femmes, je lève même pas le chien.
des nids de napoud à gratter dans la couche du petit gentil. Puis Vanessa Paradis. 2 fois 7 plus 8 moins 6 divisé par 3, ça donne 13. À peu près. Mon petit bombe! Mon petit bombe! Tu fais gagner mauvais coup, mon petit bombe! J'étais à chasse au canard, puis le garde de chasse m'a donné une étiquette. Je l'ai payé en nature. Moi, quand je passe aux douanes, je déclare toujours faillite. Pis 2 paquets de cigarettes. C'est en revenant de Rigaud. J'ai passé une semaine avec la toune des cuveux qui dance pogné dans la tête. J'ai appelé au Parlement pour me dire que je trouve que Kim Campbell est faite comme une quille. J'ai emprunté 5 piastres à Clint Eastwood pis n'ai jamais retenu. Mes chemises de narcissus sèches, chantelles sèches, non, sont trempes. J'ai pas embrassé Mitsu, elle me trouvait trop laide. Mais j'ai embrassé Giroir, parce que j'avais des dettes. Ok, maintenant pas trop, si on s'en est fini. En rencontrant Pierre-Éliott Trudeau. J'ai jamais trouvé ça correct, ce que fait un Baudouin, fait que je vais me venger. Tiens! Laggins and Laggins. Quest and Mechanus, Horde and Horde. Laggins and Laggins. Quest and Mechanus, Horde and Horde. Laggins and Laggins. Quest and Mechanus, Butcher's Use. Laggins and Laggins. Quest and Mechanus, Touch your Rectal. Laggins and Laggins. Quest combat Melisande and Brand. Liggins and Liggins. Quest combat for Scumperlis and Golds. Liggins and Liggins. Quest combat Captain Natalie Payne. Liggins and Liggins. Quest combat that opens a family jam. Again the Korean, the Thor, the Dan, the Boris and Ken. Liggins and Liggins. Hi-yo. Mercy, Dance and Liggins. Fred Lear. Liggins and Liggins. The Fiddler. À ce temps-ci de l'année, bien des gens planifient déjà leurs prochaines vacances. Eh bien, je connais le seul endroit au Québec où le bateau à voile pogne moins que le vélo à poil. Où ça, Johan Côté vous donne la réponse sur la route des vacances. On regarde. Aujourd'hui, sur la route des vacances, on visite un charmant petit village du Québec. Les gens sont chaleureux, mais surtout, ils sont vraiment pas frileux. Attentif, vous constaterez que tous les gens ici sont des naturistes nudistes. Et c'est connu, les naturistes nudistes sont des gens simples et paisibles. La population à Nudiville est très correcte avec la police. À Nudiville, c'est le taux de criminalité le plus bas en Amérique. Et vu que les gens sont nus, il est très dur de cacher une arme telle qu'un couteau ou un revolver sur soi, à moins d'avoir de très gros bourrelets.
Mon oncle! Hey, mon oncle, regarde, j'ai réussi à voler une dizaine de nanas, le dépanneur. Y'a rien là, regarde ce que j'ai piqué. Ouais, t'es pas en camouflage. Merci bien. Ghislaine Cachetot, Pierre Brassard, Jacques Chevalier, pourquoi est-ce qu'on devient des nudistes? Ben, parce que la laveuse à linge est cassée, tu sais. Oui, mais ça vous manque pas, ça, le plaisir de porter du beau linge? Ben, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Non, mais de toute façon, t'as pas besoin de porter du linge pour être coquet. Je me dis une affaire, Joanne, c'est pas facile pour tout le monde d'être tout nu puis d'avoir l'air de quelqu'un quand même, tu sais. Moi, c'est pas un problème parce que j'ai un corps parfait, tu sais. Je suis bien dans ma peau, j'ai juste un petit peu de lousse, juste assez pour pouvoir bouger dedans. Mais il y a du monde, me dire, là, tout nu, là, pas beau à voir, hein. Moi, Joanne, je suis laite, je suis pas attirant, j'ai un physique dégueulasse, j'écarte les filles, puis il m'a dit, j'y comprends. Mais c'est pas une raison pour se négliger. C'est pour ça que je me mets des bigoudis dans le shaggy, ça frise, c'est tout beau. Pendant que le monde regarde ça, ils se rendent pas compte que j'ai un Christy de gros tailleur. Mais d'autres viennent ici pour le travail. Moi, je suis arbitre au hockey, puis je viens ici parce que la saison commence justement à soir. Conduite antisportive! Comment ça? C'est antisportif de jouer avec juste un patin! C'est pas de ma faute, là. J'ai passé l'autre à Michel Jasmin. OK, d'abord. Right. Voici le super linge, la place haute à Nudiville. Sonia, c'est gonna dance for you. La jolie Sonia va danser pour toi. Je m'habille dans ta face. Et tu salives en regardant les courbes de mon coton duvet d'oie. Frotte ton foulard sur le pompon de ma tuque. Bientôt pour toi, je serai flambant prête à faire la raquette à moins 40. C'était Joanne Côté pour la route des vacances 3X. Que de bonheur! C'est tout pour cette seconde saison de Taquinons la planète. Un merci très spécial à toute notre équipe de production, nos invités. Et à la prochaine, j'espère! Merci! Seconde tranche du sandwich de nos meilleurs moments et ajoutons tout de suite à ce sandwich un beau morceau de poulet bien dodu avec l'agent Boswell alias Jacques Chevalier Longueuil. Longueuil, ça va bien? Ben oui. Dis-moi, il paraît que ça marche très, très bien, ta nouvelle série policière, le rapport de police. Ça marche tellement bien que c'est rendu qu'on peut même plus se promener sur la rue sans que les ethnies nous supplient pour qu'on les batraque. Mais quand tu joues le rôle d'un policier, là, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Le plus difficile, c'est de mettre la pine de police. Ça fait 5 fois que je me pique la bédaine. Je t'expliquerai ça durant la pause. On regarde tout de suite cet épisode de rapport de police. Rapport de police. Avec Jacques Chevalier Longueuil dans le rôle de l'agent Boswell. Wood, 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 quelques-uns des meilleurs bouts de Taquinons la planète. Non, j'ai craché sur vous. Mais de toute façon, t'as pas besoin de porter du linge pour être coquet. Un idole qui est en train de me blaster, moi. Petit père, Mohawk. Elle m'a tout te dit quoi faire, OK? Attention. Where's come back on the horn, the horse? Leggins, leggins. Wit, wit. Taquinons la planète. Messieurs, et bienvenue à cette... Et Bob Minette dans le rôle de l'agent EC.
Des frites, tu peux bien être gros. Ah oui, j'en profite avant le carême. Il reste bien chaud, ça. Oui, mais c'est nouveau, c'est un café chaud. C'est à cause des bactéries, ils font bouillir l'eau à cette heure. Le cœur, ça va! Ah! Ah!